C'est une belle après-midi, bien ensoleillée, comme vous n'en aviez pas vu depuis un petit moment. Au cours des 6 derniers mois, le temps s'est amélioré, vous avez commencé chacun à vaquer à vos occupations, à reprendre un petit peu le cours de votre vie. Parfois, peut-être pour certains, je ne sais pas, vous me direz, avec un peu le regret de plus avoir cette aventure au quotidien. Et vous adonnez à vos activités habituelles, quand soudain vous entendez un éternuement bruyant, gras, chargé, sonore. Vous tournez la tête de part et d'autre afin d'en percevoir la provenance, sans succès. En revanche, vous saisissez un chuchotement lointain, sans en comprendre le sens ni en déterminer la direction. Mais à peine avez-vous eu le temps de vous interroger sur l'étrange phénomène qu'un second éternuement retentit, encore plus fort que le précédent. À présent, clairement sur vos gardes, prêt à faire face au danger, vous sentez que vos narines commencent à vous piquer. Vous éternuez à votre tour violemment. Les paroles se font de plus en plus insistantes. Vous distinguez trois mots. Klaatu, Verata, Nictu. Mais vous réalisez que vous êtes le seul à l'entendre. Et que ces mots résonnent en réalité dans votre tête. Vous êtes pris d'une crise violente d'éternuement et de vertige. Devant vos yeux, la réalité se tord et ondule pendant qu'un son aigu déchire vos oreilles. La terrible mélopée continue. Klaatu, Verata, Nictu. Klaatu, Verata, Nictu. Et les gens autour de vous regardent bizarrement, puis sombrent carrément dans la panique la plus pure. Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. On disparaît à cet instant-là ou on est encore dans le... Non, pour l'instant, vous voyez que tout ce trouble, vous êtes encore dans cette espèce de situation un peu entre deux, où vous commencez à voir les gens qui disparaissent tout autour de vous. Il vous reste quelques secondes. Ok, est-ce que je regarde autour de moi si il n'y a pas un petit animal, un oiseau pas très loin? C'est un peu délicat à dire parce que tout devient vraiment extrêmement brouillon tout autour de toi. Imagine-toi que que tu portes l'anneau dans le Seigneur des Anneaux et que tu viens de le mettre. Imagine que tu es dans cette atmosphère-là où tu commences à plus vraiment distinguer les formes, tout est sous volutes. Ça devient un peu Et délicat je de voir un cherche animal. désespérément un animal près de moi pour envoyer un message à ma mère. Ouais. Et je ne sais pas si j'y arrive du coup pour faire Animal Messenger. Tu es en pleine, tu es en pleine forêt, de ce que tu m'avais dit, non? Oui, je suis dans la forêt, oui. Bon, tu vas trouver, assez instinctivement, tu vas trouver un animal, un petit lapin qui va Donc passer à côté de toi. je chope un lapin. Par chance, j'en ai toujours peut-être à côté de moi, qui sait. Il y a toujours un lapin. Il y a toujours un lapin Il dans y les a forêts de toujours un Mâcon. lapin. Et je caste mon spell et je lui dis à ma mère que je ne reviendrai pas ce soir. Est-ce que tu as un objet en particulier avec toi? Est-ce que tu as tes armes, tes armures, quelque chose? J'ai pas vraiment d'armure en fait. Euh, Oui, moi t'as ton armure de j'ai ta tenue de cuir qui est aussi une tenue de toujours voyage. un gourdin, ma ceinture, un sac avec des choses d'herboriste puisque je me balade dans la forêt pour ça. Bien sûr. J'ai rien de spécial en fait. J'avais quand même, je portais les objets que j'ai quand je me balade dans la forêt. Donc, D'accord. mes D'accord. objets d'aventure, mais qui sont assez légers de toute façon. Donc voilà. Donc je dis ça au lapin et je le relâche et j'espère qu'il pourra transmettre le message à ma mère. Parfait. Les autres, vous faites quelque chose en particulier? Moi, Ou j'avais là, des jeux hâte. courts. Ah, pardon. Seb, t'as dit quoi? Une roulade des jeux courts, puisque tu nous as dit que nous avons été pris d'éternuement et que j'étais sur le point de planter une flèche dans un gobelin lorsque cet événement est arrivé. Donc il y a de bonnes chances qu'il m'ait repéré. Donc je vais faire une roulade pour m'éloigner et je vais courir, visiblement sans trop savoir où je vais, puisque ma perception du monde est altérée. Fait. Et tu vas un peu galérer en voyant ces formes. Tu vois des arbres qui pop presque littéralement devant toi. Et tu essaies d'esquiver et tu as ces éternuements qui deviennent de plus en plus forts. Et surtout, cette voix pour chacun d'entre vous, Klaatu, Verata, Nictu! Klaatu, Verata, Nictu! Et ça devient de plus en plus insistant, de plus en plus fréquent, de plus en plus rapide également, comme si la chose qui était en train de prononcer ces mots était prise de panique. Les autres, que faites-vous?
Moi, je me hâte vers mon atelier Ouais. pour essayer de trouver quelqu'un et les prévenir. Je cours en titubant comme je peux. Normalement, la forge est ouverte sur l'extérieur, hein. Donc c'est facile d'y rentrer. Et je tombe dans mon atelier, je titube un peu, j'essaie d'attraper un peu quelques équipements, quelques objets qui passent à portée. D'accord. Dans le doute, et puis j'essaye de m'approcher de la porte pour essayer de voir s'il y a quelqu'un qui puisse m'aider. Je crie un peu à l'aide. En fait, tu ne distingues plus trop les gens tout autour de toi, mais tu arrives à distinguer que toutes les personnes qui te regardent ont l'air terrifiées. Et tu arrives à prendre, à ramasser ton armure que tu avais laissée après l'avoir entretenue. Tu as encore ton épée à la ceinture. Et machinalement, tu mets tout dans un sac, tu balances tout en vrac pour prendre le sac. Werg, qu'est-ce que fais-tu? Contrairement aux autres, Orgues ne faisait de base pas du tout attention à son environnement. Et donc, il continue à engueuler son bâton en disant qu'est-ce que tu racontes? D'où tu me parles avec un langage que je connais pas? Je suis sûr que c'est des insultes. Et puis, il commence progressivement à se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas normal. Ouais, tu sens, en fait, tu sens que ton bâton te fait ressentir de la peur. Ton bâton a peur. Ok. Et donc là, je retombe clairement, je redescends très très vite, je regarde autour de moi, je vois que tout se déforme un petit peu. Et donc très très vite, je sors mon grimoire, je sors une plume, je l'ouvre à une page bien précise et j'écris deux trois mots. Et puis je reste aux aguets de ce qui va se passer. J'ai mon grimoire dans une main, mon bâton dans l'autre. Je suis prêt à voir ce qui va arriver. Encore quand tu parles. Uniquement quand je parle? Ouais, uniquement quand tu parles. Je vois vraiment pas d'où ça peut venir. Sais pas, c'est assez étrange. Moi, Bon, je peu importe. l'entends pas. Peu importe. Dans tous les cas, les paroles étranges résonnent pr à présent avec une telle violence à vos oreilles que vous avez l'impression que votre crâne va exploser. Votre corps semble devenir intangible et vous voyez vos membres commencer à onduler, comme s'il s'agissait de votre reflet dans une mare dont un caillou aurait brouillé la surface. Dans un éternuement encore plus fantastique que les autres, vous disparaissez du monde dans un éclair de lumière aveuglante. L'instant suivant, vous êtes en apesanteur. Votre corps flotte. Vos pensées s'échappent. Encore partiellement aveuglé par l'éclair lumineux, vous découvrez une scène totalement chaotique en dessous de vous. Vous flottez au-dessus d'une bataille féroce. La seule chose qui vous semble familière est le violent éternuement dont vient d'être pris un jeune homme en manteau de mage bleu. Cela semble mettre un terme immédiat à votre état de grâce et vous chutez pitoyablement au sol d'une hauteur de 4 ou 5 mètres. Et je vais vous demander à tous de faire le premier jet de la campagne, un jet d'acrobatie. Formidable. Excellent. C'est quoi? C'est un 1, j'imagine? Ah non, c'est un 20. C'est un Parfait. 20. Oui, le logo, c'est un critique. Très bien. Oh, Ça je vais commence bien. hop, je vais vous faire DG public pour que ça puisse se voir. Alors, vous avez fait 21, 6, 12 et 16. Minilith, tu es un peu perturbé par ce qui vient de se passer, tu t'y attendais pas du tout. En fait, tu étais encore concentré sur le message que tu viens d'envoyer. Et en fait, tu vas chuter au sol et t'écraser. Tu vas te prendre 6 points de dégâts. Les autres, vous n'allez en prendre que Aïe. la moitié. Sauf Ouch. Brig, dans un réflexe presque surhumain, tu vas retomber sur tes pieds. Et vous allez tomber. Allez, face à une IDA. Non, alors non. Alors, Alors, non. on a dit que non. Vous allez tomber, vous allez tomber. Hop là. Oh. Oh.
Exactement. Oh. En fait, vous arrivez sur un espèce de petit îlot qui fait environ 50 mètres de diamètre, qui est un peu surélevé, qui descend en pente douce. Tout autour de cet îlot, vous voyez de l'eau un peu croupie. Vous avez l'impression d'être dans un marais. Au centre de cet îlot, vous constatez qu'il y a quatre de statues de pierre, mais totalement explosées, dont les formes sont totalement indescriptibles, comme si c'était des pierres qui étaient extrêmement anciennes. Et au centre de cet îlot-là, vous avez ici, là vous voyez stream, vous avez un petit hôtel. Et vous voyez des soldats qui portent une armure que vous ne reconnaissez pas, qui n'est pas de la baronnie. De vos voyages, et même toi, Werges, qui a beaucoup voyagé, tu n'as jamais vu des armures de la sorte. Mm-hmm. Et le sol est couvert de cadavres. Il y a une dizaine de cadavres de soldats, ainsi qu'une dizaine de cadavres de sortes de créatures un peu horrible. Je vais vous montrer en détail ce que ça donne. Plop, plop, plop. Ah oui, voilà. C'est ça. Voilà, vous voyez ces créatures, pareil, qui sont en train de se battre contre ces soldats. Vous voyez très clairement que les soldats sont en très mauvaise posture. Ils sont en train de perdre le combat. Et à côté de l'hôtel, vous voyez un jeune garçon en habit de mage bleu qui ressemble à ceci. Hop. Voilà. Qui est terrorisé et qui est en train de trembler et en train de se réfugier. Est-ce que vous faites une chose en particulier? Je prends le temps de regarder un peu ce qui se passe. On les voit, les grosses bestioles à droite, là? Ouais, effectivement. Je vais vous montrer un peu plus dans le détail. Vous voyez des mes amis de grosses. Oui, vous voyez tous. Vous êtes tous là. Je vous ai pas montré à quoi ressemblait le reste. Vous voyez des créatures gigantesques qui ont l'air d'être faites de pierre et qui ont l'air de contrôler chacun les petites créatures un peu plus petites qui sont au corps à corps avec le reste. Brig, puisque tu observes, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Oui, bien sûr, perception. Yes. Le premier fumble de la campagne. C'est un très beau jet, effectivement. Un critique et un fumble. Parfait. Là, la partie commence. Je pense que je vais jouer à la pièce, en fait. Je vais faire que des pieds ou pas. Tu aperçois, en fait, il y a beaucoup de brouillard là où vous êtes. Tu regardes un petit peu partout autour de toi et tu, malgré la ferveur du combat, les cadavres un peu partout, l'odeur du marais, l'odeur des corps décharnés qui te montent au nez, tu es obligé un peu de te couvrir le visage. Mine de rien, tu aperçois une silhouette au loin, une créature humanoïde. Qui ressemble à ça. Et qui a l'air d'observer la scène de loin. Vous prenez quelques instants pour vous remettre de vos émotions. Un truc que j'ai oublié de faire, c'est de déterminer les sorts que j'ai préparés ce matin, parce que en soi... Ah, c'est embêtant. Je n'étais pas forcément parti dans l'idée qu'on allait se battre, tu vois. Donc, je pense quand je me suis levé le matin, donc... alors je sais plus, c'est 4, 5, 6. Mais vas-y, continue, je peux faire mon truc dans mon coin. Mais... Est-ce qu'on voit Minilith ou est-ce qu'elle s'est vraiment écrasée comme une crêpe? Parce que je vois pas son token. Tu ne vois pas son token. Non, mais je vois pas la carte, je pensais que vous voyez pas voilà. Encore. Pardon, excuse-moi, j'avais oublié d'activer ton token. Ouais, vous êtes tous tombés à l'intérieur de cet îlot.
Excuse-moi, je ne te voyais plus dans le brouillard. Littéralement, j'ai oublié que tu étais là. Et la créature qui se dirige vers soit moi, soit notre petit ami au token vert. Ouais. Alors, en l'occurrence, la créature se dirige vers le petit token vert. Donc, le garçon, c'est un petit garçon qui fait une dizaine, qui a 15 ans, 16 ans, hein, tout au plus, hein, qui est totalement apeuré, qui voit cette créature arriver vers lui, qui fait Mon Dieu. Ben, ce sera deux flèches. Eh bien, tu peux me lancer ton attaque et vous allez tous, je vais tous vous lancer votre initiative. Du coup, ouais, je voulais faire une action avant dès mon arrivée. Je sais pas si c'est possible encore. Tu voulais faire quoi? Envoyer mon totem. Oui, ouais, je me suis écrasé par terre, à vrai dire. Ouais, tu t'es quand même bien gamélé, hein. Là pour le coup, t'es tombé tête la première et ta tête a heurté une des pierres au moment où t'es tombé. Donc t'es presque un peu dans les vapes, hein, pour le coup. Ça marche. Je vous lance votre initiative. Et blou blou blou, il y a des dés partout. Avec avantage. Ça a été lancé avec avantage pour toi, normalement. Et mais tu ne vas pas jouer en premier. Ça va être au premier token. Alors je suis désolé, c'est un peu le bazar sur mon écran, j'en ai un peu partout. Putain. Je vous laisserai pour les prochains tirer votre initiative. Ok, eh bien écoutez, c'est au premier de ces messieurs. Qu'on fait les jeux. Ouais, qui ont fait des très bons jets, hein, 23, 21 pour les deux premiers. Et vous le voyez en fait, donc c'est celui qui est ici où j'ai mon curseur de mon token MJ, qui va tenter de frapper le garde qui est en face de lui. Qui va lui mettre un énorme coup de griffe. Qui va le toucher. Et en fait, le coup de griffe va venir lui déchirer la carotide, et vous allez voir une gerbe de sang, et la créature meurt. Bah c'est bien, ça va raccourcir l'initiative. Ça arrive de raccourcir un petit peu l'initiative, effectivement. Pas que l'initiative que ça pourrait raccourcir. Notre espérance de vie est déjà assez courte comme ça, je te remercie. C'est au tour de la deuxième créature, celle qui est ici, qui va venir se rapprocher. Tu m'as pas fait ton attaque, pardon, excuse-moi, Locke, j'ai oublié de t'enlever de la faire. Peux-tu... Oh oui. Joli. C'est un très beau jet. Vous voyez, la créature était déjà blessée, en fait, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que avec la ferveur du combat, vous sentez que le combat dure quand même depuis un petit moment. Vas-y, rajoute tes 35 modificateurs. Non, il n'y en a qu'un seul. Donc tu lui fais 8 de dégâts au total. C'est ça. Il semblerait, et normalement mes flèches se baladent toujours par deux. À toi de voir si elles se baladent par deux ou pas. Comment ça, elles se baladent par deux? Chaque fois que je vais attaquer, je réattaque. Bah fais tes attaques, hein. T'as ton tour de. T'as ton round de surprise en fait. Donc fais ton attaque normal. Et ben, c'est reparti dans ce cas. Niveau 5, tu peux faire ta double attaque. Parfait. Ce sera tout, puisque la marque du colosse ne s'applique qu'une fois. Ça sera tout, mais ça sera déjà largement suffisant. C'était pas celui-là, pardon. Puisque tu vois qu'en fait, tes flèches viennent les unes après les autres se planter dans le corps, et vous entendez un espèce de... Et la créature tombe. C'est au tour du garde qui est mort. Surprise, je vais même en profiter. Hop, voilà, je me déplace. Et vous voyez la créature, une des deux créatures ici qui venait d'attaquer le garde, qui, un peu surpris, vient de vous voir arriver, voir tomber, et regarde un peu partout autour du lit et va se présenter sur celui qui est le plus proche et tenter de l'attaquer. Je vais faire 20 pour te toucher. Bah, ça touche vaguement, ouais. Et tu vas te prendre un coup de griffe qui va t'infliger 4 points de dégâts. Très bien. Ça sera tout pour ce tour-là. Ça sera ensuite au tour de Brig.
Brig, un peu dans l'excitation, elle chope le casque de son armure. Elle n'a pas le temps de mettre son armure entière, mais elle chope le casque de mon armure, je l'enfile. Et en même temps que je l'enfile, je récite une petite prière. Et du coup, il y a mon pendentif qui s'illumine, mes yeux qui s'illuminent un petit peu, et je lance bouclier de la foi sur moi. Et ensuite, je me déplace, je fonce ici, et je vais aller donner un gros coup d'épée sur le gus qui est en train d'essayer d'agresser mon pote. Alors, je vais faire un coup de chasse. Merde, c'est où ? Action, c'est là. Épée longue. Roll. C'est dommage. C'est dommage. Ça fait ouais 10, je pense que ça touche pas. Non, effectivement, ça ne va pas toucher. Et bah tant pis, c'est tout ce que je fais. C'est tout ce que tu fais sur ce tour-là. Très bien. Luct, c'est à toi. De plus. Eh bien, comme tu l'as dit, il y a une bébête au corps à corps de deux de nos amis. J'aime pas trop ça, donc c'est parti. Cette dernière était-elle blessée? Alors, tu as fait 25 pour toucher? Oui. Et tu touches lequel, pardon, excuse-moi? J'étais en train de gérer un autre truc. Celui qui se trouve entre Brig et notre mage au nom imprononçable. Mais non. Donc celui-ci. Non, celui-là, pardon, excuse-moi. Celui-là, tu peux pointer, oui. Tu peux mettre ta souris dessus, comme ça il y aura ton token, ça sera plus simple. Pour décrire, très bien. La créature est déjà blessée. Hein. Vous avez l'impression que toutes les créatures sont. Les petites créatures sont déjà blessées. Mec, tes jets d'attaque, t'as fait 23, 24, 25 jusqu'à présent. Et c'est que le début du combat. Calme-toi. Mais ça reste suffisant. J'étais prêt, moi, j'allais trucider du gobelin. J'avoue. Il y a des chauds, quoi. Ça reste suffisant pour tuer cette créature. Est-ce que tu fais autre chose? Oui, tout à fait. Afin que ma très chère Brig ne soit pas prise à revers, je vais décocher ma deuxième flèche sur la créature derrière Brig. Ok. Ah, moins bien. Effectivement, moins bien. Ta deuxième flèche, en fait, tu pivotes un peu, mais à cause du brouillard et de la situation où tu n'as pas trop pris le temps encore de tout analyser, tu vas bander ton arc et la flèche va aller se perdre un peu plus loin dans les marais. Fais-tu okay. Autre chose? Non. Très bien. C'est aux gardes restants d'essayer de frapper la créature qui est en face de lui. Et en fait, le garde a l'air terrorisé. Il va donner un coup, mais qui va aller taper sur le côté, qui ne va absolument rien faire aux gardes. Pendant ce temps-là, pendant que vous êtes en train de vous battre, vous voyez que celui qui semble être le chef de ces créatures, donc le l'être un peu étrange que vous voyez ici, vous le voyez lancer quelques encouragements, mais ne pas prendre part à la bataille. Par contre, à partir du moment où vous avez décoché vos flèches, vous avez commencé à les attaquer, vous le voyez saisir d'une sorte de potion d'une bonne taille qui tient bien dans la main. Il ouvre cette potion et se met à psalmodier quelques paroles magiques. Et de cette petite potion sort un ectoplasme bleuté qui se matérialise en un globe suivi d'un long filament qui s'envole et se dirige vers le cercle de pierre où vous vous trouvez. Je vais vous demander à tous de me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Vous savez comment ça s'était passé? C'est qui le papy qui voit rien? Oui, c'est un peu ça, parce que Werges, toi, t'es en train de te dire, oh là, mais c'est quoi ça? Et en fait, ton bâton t'instille beaucoup de peur. Tu sais pas trop. Tu viens de te prendre un coup. En fait, tu viens de tomber, tu viens de te relever, tu t'es pris un coup sur le torse. T'as pas compris ce qui vient de se passer. Donc en fait, t'es pas du tout concentré là-dessus. Et puis de toute manière, la scène se passe dans ton dos. Alors que tous les autres, vous comprenez qu'il s'agit d'un énorme œil suivi de son nerf optique. Et vu la taille de la pupille, ça vous fait clairement dire que c'était l'œil d'une énorme monstruosité, d'une créature énorme.
Est-ce que vous voulez très rapidement tenter de tirer là-dessus ou pas? Bref. Moi, je suis à l'ouest maintenant. pour les prochains jouets, non. Ok, très bien. Et vous voyez, pour l'instant, il ne fait rien d'autre. Et bien donc, du coup, l'œil, il est à notre hauteur, il est au-dessus de nous? Non, il s'élève dans les airs, en fait. D'accord. Okay. Il s'élève dans les airs. Ok. Et hop. Un lourd combat où il y a beaucoup de monde. Vous voyez que l'énorme créature de pierre qui est au sud arrive et va d'un énorme coup de fouet donner un coup au garde qui était là juste avant et va lui arracher la tête. Vous voyez qu'en fait, il porte un fouet qui a l'air fait d'os. D'ossement. C'est au deuxième qui voit la scène et se met à courir dans un gros fracas vers un... et va tenter de frapper Brig. Vous voyez qu'en fait, il porte d'un côté de la main un cimeter et de l'autre le fouet également, même type de fouet. Le premier coup va faire 10 pour toucher. Ça ne me touche pas. J'ai 15 avec le bouclier. Ouais. Le deuxième coup va faire 22 pour toucher. Ça touche vu que j'ai pas d'armure. Très bien. Tu vas donc te prendre un coup de cimetière qui va te faire 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Très bien. Et de sa main gauche, il va tenter un coup avec son fouet. Et il y a deux attaques de cimetière et un coup de fouet. Exactement, deux attaques de cimetière et un coup de fouet. C'est sale. C'est totalement sale. Hop, pardon, je vais tenter. Je vais te demander. Pardon, en fait, j'ai mis des macros. Je suis navré, j'ai mis des macros qui n'ont pas été pris en compte. Et ouais, ça me fait pas mal de messages d'erreur. Ouais, effectivement, en fait, j'ai pas mal de trucs qui ont déconné. Je vais te demander, Brick, de faire un jet de sauvegarde de constitution. En général. Ah, bon, c'est pas ouf, mais. Ok. En fait, tu vois que le fouet vient taper contre ton bouclier et vient résonner contre le bouclier. Et ça. Ça te donne une sensation un petit peu étrange. Mais tu tiens le choc dans ton aimant. Et c'est au tour du jeune mage qui peut-être c'est bien plus compliqué que ce que je pensais avec toutes les informations qui m'étaient parce qu'évidemment ils m'ont pas mis tout sur ce truc là. Vous le voyez en fait se prostrer et Luct et Minilith, vous qui n'êtes pas très très loin, vous l'entendez dire oh, on est perdu, on va tous mourir, mon dieu, on est perdu. Et en fait il va se réfugier petit à petit sous la table qui est là, enfin l'hôtel qui est là, va essayer de se planquer pour essayer de passer le plus inaperçu possible. Puis, ne dérange pas le moins du monde la créature juste là qui va tenter d'attaquer Minilith d'un coup de griffe qui va faire 20 pour te toucher, donc j'imagine que ça te touche. Oui, ça touche. Et tu vas te prendre un coup de griffe qui va t'infliger 4 points de dégâts. Aïe. Exactement, aïe. Mais c'est à toi de répliquer. Ah ah. Eh bien, je vais... Je vais regarder déjà, je vois qu'on s'est fortement rapproché de moi. Et je vais envoyer une onde de choc autour de moi. Me déplaçant d'abord tic, ici. Voilà. Et j'envoie une onde de choc. Donc, dans quel sens ? Face à celui qui t'a attaqué ? Non, c'est tout autour de moi en fait. D'accord. C'est un cube de 4,5 mètres prenant origine à partir de moi. D'accord. Et donc, je vais le faire. Hop. Et je vais péter un slot de niveau 2. Oh. Pam. Carrément. Elle est impactante. Et. Attends, donc, jet de sauvegarde de constitution, voilà. Pour tout le monde.
Bah, ils l'ont fait automatiquement. Ah oui, c'est exact. C'est un bon module. Wow. Ouais. Bon, le garde. Hein. Alors, par contre, oula, qu'est-ce que ça me met Ouais, même une élite. Bah, écoute, ça n'a pas pris en compte le dernier écorché. Si, bah, ils ont tous les trois ratés. Non, c'est le ça a pris le garde, mais pas le gros machin, en fait. Ouais, ça a pris le garde, mais pas le gros machin. Il est quand même pris dans ton truc, le gros Oui, oui, normalement. Ah, quoique, parce que le problème, c'est que c'est son centre qui compte. Mais du coup, même s'il est dedans, je pensais qu'il serait dedans, mais... Bah, écoute, ça n'a pas l'air, pour le coup. Ok, bah, il est pas dedans, alors. C'est peut-être que le côté, du coup, ça lui fera 4,5, pas normalement, il est dedans, hein. T'as oui, porté les plus grandes que ça, normalement. Ouais, c'est... Non, c'est la zone, mais en fait, je pense qu'il prend le milieu de la personne, en fait. Pour que... Ah non, c'est 4... pas un rayon, pardon. 4,5 mètres, c'est 3... Ah ouais, mais c'est le... effectivement, c'est l'arête du cube. Ah ouais, c'est ça. Effectivement, non, il n'est pas pris là-dedans. Du coup, je vais quand même envoyer ça. Alors, du coup, j'ai vu qu'il n'avait pas fait les dégâts, donc je vais le faire tout de suite. Il y a 7 dégâts. Ah, d'accord, cool. Et du coup, ça les repousse surtout. Alors, ils se prennent chacun 7 de dégâts par les deux. Ouais. Mmh. Et en fait, ils n'ont pas besoin d'être repoussés, puisque... c'est leurs cadavres qui sont repoussés. C'est un peu ça, c'est-à-dire que les cadavres... alors, est-ce que c'est celui-ci? Non, si c'est celui-ci, ça lag un peu chez moi, je suis navré. Eh ben écoute, si sont morts, je vais m'enfuir. Très courageusement, je vais m'enfuir. Très courageusement, je vais me barrer. Très courageusement, je vais m'éloigner de l'énorme créature qui n'a pas été touchée ni repoussée. Et ouais. Du coup, j'avais fait un. Voilà, hop, je reviens. Ton nombre de chocs a disparu. Sous l'hôtel également. Oui, c'était immédiat et voilà. D'accord, je te supprime juste ça pour la lisibilité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et voilà, je me casse ici. Et c'est donc à Werges. Moi, il n'y avait pas un autre machin qui jouait avant, moi ? Bah, il est mort. Ah, ok. Je ne sais pas lesquels sont lesquels. Très bien, Werges, en voyant que le gros machin est arrivé pour taper sur Brig, qui est encore un peu sonné d'avoir été téléporté, d'être tombé, de s'être pris un coup, il voit le gros machin qui arrive, il dit « Excusez-moi, jeune homme, on ne s'est pas présenté. » La créature ne te répond pas, fait un... Et donc, il va, vous allez entendre Wargeth murmurer quelque chose dans un langage que vous ne comprenez pas, mais qui n'a pas l'air du tout gentil vis-à-vis de cette créature. Et il va ensuite lever la main et lui lancer... Alors, attends, bouge pas. Alors, en fait, pendant que vous êtes en train de faire tout ça, vous constatez que l'énorme œil qui était sorti de la petite fiole s'est positionné juste au-dessus de vous. Donc, c'est un œil énorme hein, qui fait presque la taille de l'îlot. Sans exagération bien sûr côté marseillais mais c'est un œil gigantesque qui est dans le ciel et qui a l'air de vous observer. Très bien. Et bien donc après avoir récité cette petite formule magique, Wargeth va lever la main vers ce gros truc et lui lancer deux bons éclairs dans sa poigne, donc un premier pour commencer. J'imagine que ce ne sera pas forcément suffisant. Et c'est du fumble, premier jet d'attaque de la campagne. Eh bien, c'est un fumble. Tu peux donc me lancer au grand désarroi de Brig qui est dans la direction. En deux scénarios. Un des quatre. Sur un chiffre pair, c'est Brig. Sur un chiffre impair, c'est la créature qui se prendra les dégâts, mais qui seront réduits de moitié. Parce que tu as fait un fumble après tout. N'est-ce pas ? Et puis chacun sa règle. C'est un 1 à nouveau. C'est parfait. Donc c'est du impair. Donc c'est la créature qui va se prendre les dégâts, mais les dégâts vont être presque inefficaces. Ouais. Tu peux les faire. Ça fait lancer, c'est 1. J'ai fait ah oui, pardon, j'avais pas vu. D'accord. J'ai fait 1 sur mon dé d'attaque et 1 sur mon dé de dégâts. Et puis 1 sur ton D4, c'est parfait. J'avais pas fait attention à ça, effectivement. C'était magnifique. En fait, je peux même pas comptabiliser des dégâts sur ça. C'est-à-dire que l'éclair va venir taper contre sa poitrine qui est rocailleuse, qui a l'air d'être vraiment faite de pierre hein, pour le coup. Et puis tu vois l'impact, que c'est le même impact que quand tu envoies tes éclairs contre de la pierre, brute. Il ne se passe absolument rien d'autre. Je précise que j'ai récité un maléfice contre la créature. Elle a donc un désavantage à ses jets de caractéristiques
de sagesse, donc ça devrait normalement pas intervenir dans le combat, mais je le précise au cas où. Et ayant lancé ce premier éclair totalement inefficace et qui a failli toucher, toucher Brig, il y a Morgan qui fait « Attendez, je me chauffe, hein, je m'échauffe. » Et avec son autre main, il lance un deuxième éclair sur la bestiole. On refait un fumble, comment on se marre. Non. Cette fois, il fait 17 pour toucher. Ça va le toucher. Et ça refait un dégât. Mais ce n'est pas compris dedans, donc je vais rajouter d'une part mon charisme, donc ça fait 5, et je vais rajouter d'autre part, puisqu'il y a un maléfice, un des 6 de dégâts. Donc ce 1 va devenir un 9. Et d'accord, pourquoi ça n'a pas pris en compte ton charisme ? Je ne sais pas, normalement quand je lance, c'est une invocation occulte, donc je ne sais pas si elle est comprise dans ma fiche, mais en tout cas, je ne peux pas faire 4 avec une invocation occulte. Normalement, c'est dans tes sorts, caractéristiques d'incantation... bon, on fera la modification après, tu me le rappelleras. Ouais. Pour faire la modif, on mettra la modif à la main. Yes. Voilà, j'ai fini. Très bien. Très bien. C'est au second tour. Vous voyez que l'œil, toujours au-dessus de vous, est de plus en plus volumineux. Refaites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Perception. On n'est pas très perceptif. Non, je suis pas très perceptif. Ouais, en fait, Minilith et Brig, très furtivement, vous regardez en direction de la créature qui est un peu à l'écart, qui a l'air d'observer la scène et qui a l'air un peu de s'inquiéter de la tournure que prend les événements. Mais plus intéressant que ça, en fait, vous voyez que la créature est sur l'eau. Genre, elle marche ? Elle est sur l'eau. Pour l'instant, elle ne marche pas. Elle est posée sur l'eau. Non, mais je veux dire, c'est comme si elle était sur la surface. Elle est sur l'eau. Ok. C'est tout ce que tu... c'est libre à peu d'interpréter comme ça. La créature ne bouge pas, elle est sur l'eau. Et en fait, pendant que tu regardes ça, tu ne fais pas attention, mais la créature qui est à côté de toi va te donner un coup qui va faire 19 pour te toucher. Et tu vas te prendre 4 points de dégâts. Salaud. Mais c'est à toi de réagir. Du coup, je vais pas réagir à ça parce qu'il y a quand même un truc énorme devant moi qui est plus inquiétant. Donc je vais tendre la main vers ce machin et il va faire un jet de sauvegarde de sagesse, je crois. Donc avec des avantages, c'est bien. Alors, ça non, tes jets de carac, je crois qu'ils sont en désavantage. Tu m'as pas dit les jets de sagesse ? Non, jets de sagesse, mais de caractéristiques sagesse. Donc tous ces jets de compétences, en fait. Donc, normalement, ça intervient pas dans le combat. Je vais faire 8. Eh bien, c'est raté, tu vas donc te prendre... il s'est pris des dégâts déjà ? Oui. Très bien, et eh ben il va se prendre 2d12 de dégâts. Et oui, le glas funèbre qui fait plaisir. Le glas funèbre de niveau 5, c'était 15 de dégâts. Donc je tends ma main vers lui, il y a mes yeux qui deviennent un petit peu noirâtres. Et puis il va entendre un espèce de golon dans sa tête. Ou plutôt non, comme vraiment le bruit d'un marteau qui tape sur un truc en métal. Mais qui résonne, et voilà, dans sa tête, ça va un peu exploser. Bon, pas dans sa tête parce que c'est pas psychique du tout, donc tu vois qu'effectivement il se prend le coup de plein fouet et tu vois faire fais-tu autre chose? Et bien non. D'accord, rien pas d'autre. Locte, c'est à toi. Locte va ça a pas l'air d'être des morions. Lesquels? Bah, les ennemis, ça ressemble pas à un mort-vivant en tout cas. Les grosses créatures, non. Les petites, pour te rappeler à quoi ça ressemble, je te laisse deviner si pour toi ça paraît être un mort-vivant. Ouais. Je sais pas, donc je veux pas prendre le risque. Je sais pas si du coup ça paraît bien sur votre écran, mais. Je le revois. Ça paraît bien, ouais. C'est très très moche. En tout cas, je sais pas si c'est mort-vivant, mais c'est moche. C'est moche vivant, en tout cas. Je sais pas. D'accord. Ça a tout l'air quand même d'être une créature monstrueuse. Lequel ? Celui sur lequel se trouve ma souris. Ça a surtout l'air d'être une créature gigantesque, pour le coup. Mais tu peux toujours tenter. C'est-à-dire, je tente un jet de perception pour savoir si je l'apparente... Tu peux tenter un jet de nature ? Sur ton tour. Ah, d'accord. Donc, comme action. En action, tu peux essayer de te concentrer pour voir si
T'as déjà vu ce type de créature et est-ce que c'est parmi les monstruosités que tu combats en temps normal? Je vais surtout me concentrer sur le fait de lui mettre une flèche dans l'œil. je m'en doutais aussi. Je vais du coup grogner pour lui appliquer la marque du chasseur. Suite à quoi, donc celui-ci va prendre au moins une flèche et nous viserons par la suite. Très bien. Ah, dommage. Ah, mince. Effectivement. En fait, la flèche va venir se planter contre son torse et puis se briser. Attends, je regarde juste un truc. C'est qu'il me manque encore deux. Bon, je pense pas que ça change le résultat, mais il me manque encore deux. Au toucher. Sur ton jeu d'attaque ? Ouais. C'est bizarre qu'il manque encore des... C'est... T'as combien pour toucher ? Je reviens. Hein. Je suis à plus 8. J'ai l'archerie. Ah. C'est l'archerie qui n'est jamais comptabilisé. Mais il me semblait que je te l'avais mis. Mais ok. Vous me ferez un retour sur la fin sur tous les trucs qui vont pas. Pour que je puisse faire les modifications parce que tout ça je peux l'automatiser. Je pensais l'avoir fait mais faites-moi un retour à la fin du scénar ou un peu plus tard. Mais ok, donc à 10 ça ne touchait pas de toute manière. Bien, on va recommencer. Ça ne touchera pas plus. 14. Ça ne touchera pas. Et tu as autre chose ? Non, ce sera tout. Très bien. La... Êtes-vous sûr de quitter Foundry, non ? La créature qui est un petit peu à l'écart se met à bouger un peu plus, vous commencez à l'entendre, et vous entendez une voix un peu étrange qui vous parle, qui vous dit « Vous allez mourir ici, prisonnier jusqu'à la fin des temps, et tout au long de votre agonie, sachez que mon maître vous tient à l'œil. La vengeance de Lithochronox le puissant vient de se refermer sur vous. » Et la créature ne bouge pas. C'est autour de cette énorme créature-là. Hop. Alors pourquoi ? Très bien. Qui a vu que tu essayais de l'attaquer, Luct, et qui, dans un mouvement de rage, va tenter d'aller sur toi pour te frapper à son tour. Attaque de peau de minute, hein. Attaque de peau de mini, si elle le souhaite. 10 sur la première attaque, donc ça ne va pas toucher. En revanche, je vais faire 21 sur la deuxième attaque avec son cimeter. Ce sera donc un succès. Et tu vas te prendre 4 points de dégâts. Attends, je vais faire une super attaque de peau. Et de l'autre attaque, un coup de fouet. Mais qui va te rater également. Oh, très belle attaque de peau. Oula, qu'est-ce que... Hein ? Dommage. J'ai pas activé pour attends, j'ai de constite. Cette fois-ci, j'y pense. Dommage. Ouais, fais ton jet de constite. Oui, non, ça hit pas tout ça, pardon. Ouais, pourquoi ça a mis ça ? C'est bizarre. Je sais pas, je pense que c'est par rapport à la zone de tout à l'heure. Ouais, mais pourtant... ils ont encore leur... Ah, il y a encore les points dessus. Alors, je sais pas s'il y a un truc à virer pour ça. Sur les tokens, il y a un point. Je sais pas à quoi ça correspond. Donc tu gardes ta concentration. Très bien. L'esclavagiste ne fait rien d'autre. C'est au tour du suivant. Et alors, vous le voyez petit à petit. Alors j'ai des notes partout. Je suis désolé, en fait, c'est un vrai merdier. J'ai des notes dans tous les sens. Vous voyez que la créature se concentre un tout petit peu et a l'air de... Comme si sa peau de pierre était en train de se régénérer. Vous voyez des monceaux de pierres qui ont été un peu arrachés par vos attaques sur le torse, sur les bras, qui ont l'air de se reboucher petit à petit. Et il va tenter de faire une première attaque sur la première en face de lui, donc Brig, qui va venir taper contre ton bouclier, et du revers va donner un deuxième coup qui va pareil taper sur ton bouclier. En fait, tu vas te prendre toi deux coups puissants, Brig, qui vont faire. Et de son bras gauche, se retourner et donner un coup sur Werges, qui va me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Avec grand plaisir, c'est pas du tout ma spécialité. À combien de CA déjà ? 14 ? 14. Oh, okay. Oh, c'est très beau. Tu vas te prendre malgré tout 4 points de dégâts qui vont te sonner un peu, mais tu vas très vite reprendre tes esprits. Mais en tout cas, tu te prends quand même 4 points de dégâts. Je vais tellement reprendre mes esprits que je vais lever la main vers lui en disant « c'est pas très gentil,
et je vais lui balancer des représailles infernales. Très bien. Paul, c'est parti. Voilà pour sa mouille. Ça fait 29 dégâts de feu. Alors, jet de sauvegarde de dextérité quand même. Alors, jet de sauvegarde de dextérité. On passe de 1 dégât à 29, quoi. Oui, il m'a énervé. J'ai pas kiffé. Oh, puis j'ai fait 2 sur mon dé, donc j'ai fait 1 sur mon jet de sauvegarde de dextérité. Donc, autant te dire qu'il se prend 29 les 29 dégâts. Points de dégâts et en fait, les représailles. Il se prend même un D6 en plus, théoriquement, si jamais ça joue. Ça ne sert absolument à rien, pour être tout à fait honnête avec toi, puisqu'en fait, tu vas le voir complètement exploser. En un seul coup. C'est donc... De quoi ? Non, j'ai des bisous, voilà. Parfait. Tu vois que le petit garçon qui est apeuré fait « Ah, on va tous mourir, mon Dieu, on va tous mourir !» Et dans un petit sursaut de courage, va pointer ses trois doigts en direction de la créature gigantesque qui lui fait dos, pour le coup. Hop, merde, pardon. Et vous allez voir trois petits traits de lumière partir de ses doigts comme ça, alors qu'il a l'air un peu rire, et ça va venir se planter dans les fesses de la créature. C'est des nems, en fait. C'est des nems, ouais, c'est ça. et qui va tout de suite après ça se faire et vous le voyez reculer petit à petit tout en restant à portée. Minilith, c'est à toi. Eh bien, je vais regarder cette vilaine créature et je vais refaire tout simplement une onde de choc qui cette fois le touchera, j'espère. Je vais le faire au niveau 5. Malade. Peut-être il faut que tu te colles à lui, hein. Non. Ah, oui. Rappelle-toi, c'est trois cases autour de toi, hein, donc en fait c'est à une case de toi concrètement. 1, 2, 3. Bah là c'est bon, trois cases autour de moi. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok. J'ai pas super envie de me rapprocher, je sais pas pourquoi. Tu vois que la créature pour l'instant est omnubilée par Luct, qui est le seul à l'avoir blessé. Pas l'avoir blessé, mais à l'avoir attaqué. Après, ouais, je sais pas, peut-être que tu peux décider que le cube est en dehors de toi, en fait. Je suis pas sûr. On vérifiera plus tard. Boum. J'ai de sauvegarde de constitution. Oula. Donc la créature échoue lamentablement et se prend donc 18 points de dégâts, c'est ça ? Yes ! Ah bah c'est meilleur que tout à l'heure. Attends, je l'ai quand même envoyé au niveau 3. Ouais. C'est meilleur que tout à l'heure, effectivement. Bon, ça a déjà décompté les dégâts de la créature, donc c'est parfait. À la limite, ce que je peux vous proposer, parce que c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais j'ai installé un module qui normalement fait les décomptes. C'est-à-dire quand vous faites votre attaque, sélectionnez le token en face. D'accord. Enfin, dites-moi juste si vous le faites, que je vois si les dégâts ont déjà été décomptés. J'ai une question, j'ai l'impression que mes dégâts que j'ai reçus ont été décomptés en double, parce que je les ai enlevés moi. Mon Dieu, je... D'accord, non, c'est parce que je me suis pris les dégâts de mon propre sort, ce qui devrait pas être le cas. Ah oui. Ouais, bah remets-toi tes points de vie, du coup, effectivement, c'est pas logique. Oui, là, je suis à 2. Non. Non, tu peux te remettre. Alors, ouais, je sais pas pourquoi ça te met dans la boucle aussi. D'accord. Momo, c'est elle, Deneb. C'était la Deneb bombe. C'était du kamikaze. Bah, de toute façon, t'as fait 4d8 de dégâts. Oui. Donc, t'as fait 18. Donc, tu te remets 18 points de vie. Mais il me l'avait déjà enlevé tout à l'heure, en fait. Donc, c'est pour ça. Je me remets. Bah, remets-toi. Je te laisse gérer ton truc. Est-ce que tu fais autre chose pendant ce temps-là ? Oui, j'invoque mon token que j'ai oublié d'invoquer tout à l'heure. Le D'accord. Spirit vais mettre. Ah non, attends, c'est pas ça. Ça, qui va prendre à peu près toute la zone, comme ça. D'accord, je te laisse te déplacer, parfait. Qui permettra d'avoir. Que tout le monde ait avantage au jet de perception, enfin mes alliés. Mm-hmm. Et je pourrais donner avantage de temps en temps à mes alliés. Je vais enlever la zone parce que c'est un peu moche quand même. Donc, ok. Oui, tu peux laisser comme ça. Enfin, bon, c'est vrai que pour le coup, tout le monde sait. Enfin, ça englobe vraiment toute la scène. Ouais, Wergeth, c'est à toi. Très bien. Wergeth, du coup, va s'avancer légèrement. Juste, vers...
Mini, tu as 0 PV hein, sur ton token. Donc, Oui, je je vais remettre. Donc il va, Wargaz va répéter sa petite formule pour reporter son maléfice sur l'autre gros machin. Et donc bah, va lui balancer deux éclairs dans sa mouille. Hein, en criant quand même au mage, écartez-vous un peu mon garçon, sinon effectivement vous allez mourir. On va tous mourir, mon dieu, on va tous mourir. Je fais 13 sur le premier. Ça rate. Et je fais... Oh putain. Et je fais 12 sur le deuxième. Jeune homme, vous me gênez un petit peu quand même. Non, je suis désolé, je voulais pas. Je suis désolé. Vous voyez, il est terrorisé. Il est vraiment... il est tout tremblant. Vous êtes tous en train de vous demander qu'est-ce qu'il fait là. Hein. Il porte une petite dague à sa ceinture qui tient dans sa main, mais en tremblant. C'est-à-dire qu'il tremble tellement qu'il serait capable de se couper avec. Donc vous dites un peu qu'est-ce qu'il fait dans un marais hostile de la sorte. Tu fais autre chose ? Non, j'ai fini. Très bien. Bah c'est au premier écorché qui va toujours essayer d'attaquer Brig, qui va rater lamentablement. Il va finir par s'assommer tout seul sur le bouclier. Et Brig, ça va être à toi. Et ben Brig, elle va le regarder, faire briller ses yeux en noir et donner un grand coup de marteau spirituel. Donc il va refaire un jet de sauvegarde de sagesse. Enfin, il va faire, il n'en a pas fait. Alors, jet de sauvegarde de sagesse. Qui n'est pas son fort, je vais faire 11. Non, un peu. Bon, il va prendre que 5. Oui, c'est pas terrible, effectivement. Non. Très bien. Je vais me tourner vers lui, pointer mon épée vers lui et me préparer à encaisser le prochain. C'est tout ce que tu fais ? Oui, c'est tout ce que je fais. Oui. Très bien. Luct, c'est à toi. J'aurais deux questions. Quelle est la taille du bloc de pierre à côté de moi et quelle est la taille de la créature ? Le bloc de pierre est un peu plus grand, mais totalement écroulé. Les deux font grosso modo la même taille, la même hauteur. D'accord. On est sur du 2m30, 2m50 de hauteur, quelque chose comme ça. Eh bien écoute, je vais donc m'élancer en lâchant mon arc sur ce tas de pierres. Ouais. Essayer de sauter par-dessus l'épaule de la créature en lui plantant ma lance au travers de la clavicule. Oh, fais-moi un petit jet de dextérité quand même. Dextérité ou acrobatie ? D'acrobatie. Acrobatie. Ok, très bien, tu vas réussir à le faire. Donc je te laisse faire ton action. Et tu vas donner un coup de lance qui va venir toucher la créature. Tu peux lui faire tes dégâts. Tiens, ça lui a pas fait les dégâts là-dessus. Marrant. Non, c'est étrange. Hop ! Non, ça c'est pas les dégâts. Bon, il veut pas faire les dégâts. Donc les dégâts, du coup, on a dit c'est une lance. C'est un D6, non ? Effectivement, c'est du D6. Donc il y aura 2 D6. Je suppose qu'elle était blessée. Oui, tout à fait. Donc il y aura également un D8. Le tout plus 1. Le tout plus 1. Et avec ceci. Donc 7 et 5. Donc 12. Attends. 7 et 5. Ah bah si, il y avait l'attaque tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Donc 7 et 5, 12 effectivement. Et puis pour la peine, en atterrissant, je vais recommencer dans son genou. Bah vas-y, refais-moi ton attaque. Très bien, tu vas toucher également. Toi aussi, ce sera 2 des 6 plus 1. Ok. C'est tout ? C'est tout. Tu m'habitues. Ça m'a amené par là. Ouais, tu vois qu'effectivement, les coups, tu donnes des coups secs et en fait, tu arrives à taper dans les articulations et ça fait des pas. Et tu arrives à lui taper. Donc, tu le vois qu'il met un genou à terre, qui fait un... Pour la prochaine fois, Seb, si tu tiens ta lance à deux mains, tu peux faire un D8 au lieu d'un D6. Oui, c'est du versatile, tout à fait. Ah, la lance est versatile. Ouais, après... Après, le deuxième peut-être, mais le premier j'étais en plein saut. Yes. Exactement, ouais. Je sais et pas. Sur le deuxième, en fait, tu t'es tout simplement. En fait, sur ta première attaque, ce qui s'est passé, c'est que tu as pris appui sur sur ton environnement. Du coup, ta main était pas libre. Tu as donné un coup un peu à la spartiate, comme ça, pour taper entre deux nerfs, en tout cas, ce qui pourrait être des nerfs sur une créature plus vivante. Et puis à ta réception, en fait, tu t'es juste retourné très brièvement et t'as pas eu le temps de prendre le truc à deux mains et t'as redonné un coup de perforation comme ça.
Tu fais autre chose? Ah, si j'ai de l'action libre, je fais le beau en faisant tourner mon bâton, mais ce sera tout. Bah, tu fais tourner ton bâton en faisant ta 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 ta. Vous voyez que la créature qui est là, qui est un peu plus loin dans le marais, commence à faire des oh oh. Et vous l'entendez dire pardonnez-moi, maître. Pardonnez-moi. Et vous le voyez s'enfuir. Et vous le voyez s'enfuir comme s'il marchait sur l'eau. Vous le voyez traverser une bande de terre, une bande de sable, qu'il a l'air de survoler. D'accord. D'accord. C'est autour de la créature là qui, pareil, se concentre à nouveau et vous entendez un. Et tu vois qu'à l'endroit où tu as frappé, Luct, tu vois que la pierre se reforme elle aussi petit à petit. Il va se retourner et va tenter de te frapper parce que tu es à côté. Je vais faire 19 pour la première attaque. Qui touchera. Tu vas te prendre 9 points de dégâts. 9 et attends. Toujours. Ton jet de sauvegarde de constitution, ouais, tout à fait. Alors j'avais trouvé un module. Ah, tu vas rater ta concentration. Tu vas perdre ta concentration. J'ai trouvé un module qui vous demandait de faire le jet à chaque fois, mais j'ai oublié de l'activer. Et la deuxième attaque va faire 16. Qui touchera également. D'accord. Donc tu vas te prendre 7 points de dégâts, donc 9 et 7, 16 au total. D'accord. Et de sa main libre, il va te mettre un coup de fouet qui va faire un critique. Oh, sale. Ouais, tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution. Ça rame énormément chez moi, je sais pas si c'est le cas chez vous. Non, moi c'est fluide, pour une fois. c'est une catastrophe. Tu fais 15, très bien, enfin 15 ou plus, parce que ça n'apparaît pas, parce que c'est en train de planter de mon côté. Non, moi j'ai pas 15 ou plus malheureusement, moi j'ai 8. Hein. Donc tu as fait 8 sur son jet de sauvegarde de constitution, Luct. Oui. Donc déjà, sur ton critique, sur l'attaque en elle-même, tu t'es pris 6, 7, 8, 9 points de dégâts. Je sais pas si tu les avais décomptés. C'est ceux que tu m'avais décomptés précédemment ou c'en est des nouveaux? En fait, c'est l'attaque du fouet. Donc oui, je les avais déjà décomptés. Voilà, je te mets toutes les attaques que tu t'es pris. Et en fait, le coup de fouet que tu t'es pris commence à t'engourdir un petit peu l'esprit. Et tu vas être étourdi jusqu'au prochain tour de la créature. Ok. Étourdi du coup. Étourdi. Ça veut dire que tu ne peux pas faire quoi que ce soit, je pense. Hein. Ouais, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Je vérifie. De là, est-ce qu'ils mettent des critiques? Ça m'étonnerait qu'à moitié. Non, je pense pas. Étourdi, incapable d'agir, peut plus bouger, voilà. Rate automatiquement ses jets de sauvegarde de force et de dextérité. Et il y a avantage contre elle. Ouais, mais pas de critique. Avantage, mais pas de critique. Ouais. Et c'est donc toujours cette petite, ce petit gars-là qui flippe encore sa mère et qui va, en fait, cette fois, s'énerver un peu plus. Et de la main, vous allez le voir pointer sa main comme ça. Et vous allez voir un rayon de flamme se jeter hors de sa paume et passer totalement à l'opposé. Minilith, c'est à toi. Eh bien, moi, je vais regarder, essayer d'observer un petit peu si Luck n'est pas trop mal en point. Mon ami qui est pas si loin. Je vois qu'il s'est pris quand même des coups pas mal. Donc. Je vais envoyer en action principale Poison Spray sur la grosse bête qui est devant moi. Ouf. Et il doit faire, un jeu de sauvegarde de... Ah oui, ça s'est envoyé automatiquement. Oh, il l'a raté. Superbe. Non, c'est toi qui l'as raté, Minilith. C'est toi qui as fait un jet de sauvegarde sur ton propre jet de poison, de ce que je vois, en tout cas. Mais non, mais pourquoi?
C'est bizarre, ouais, je sais pas pourquoi ça met ça. Donc lui, il doit faire un jet de sauvegarde de constitution. J'imagine que c'est une de spécialité. Ouais, mais il rate. Superbe. Et bah, il va se prendre les dégâts que je crois ont été enlevés de moi. 14. Et puis ensuite, je vais envoyer mot de guérison sur mon ami Luct. Et du coup, comment je peux faire pour que ça s'envoie sur D'accord. Lui tu sélectionnes son token et tu cliques sur ton mot de guérison. Okay, en fait, ça devrait être bon. Je suis toujours sélectionné. Bon, je vais essayer. Alors, si toi, tu es toujours sélectionné, en fait, tu fais un... tu fais un cadre à côté. Ah, d'accord, tu fais un espèce je vais faire ça. Ouais, tu peux pas juste cliquer, il faut que tu restes appuyé. Ok. Laisse, je te vire ça. Ok, j'arrive toujours pas à sélectionner quelqu'un d'autre là. Quand t'es sélectionné, tu fais. Tu restes appuyé sur ta souris et tu fais. Tu sélectionnes un cadre, ça te laisse toi toujours sélectionné ? Non, en fait, si ça fait comme chez moi, quand on passe le curseur sur un ennemi, on voit le cadre qui se met autour du token, mais quand on clique dessus et qu'on retire le curseur, le cadre ne reste pas. On n'arrive pas à le sélectionner de manière durable. Ah ouais ? Ah, je sais pas, ouais, du coup, ouais, comme c'est pas les mêmes accès... Guérison, et puis... Et donc, sur toi, bon, ouais, vas-y. Okay. Et du coup, ça s'est ajouté à moi, mais je l'enlèverai. De toute façon, il... Ouais, ça te sélectionne que toi, c'est chelou, ouais, hein. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Et donc, tu as 7. Bon, je viens de me les rajouter, merci beaucoup. Et tu. Ménilie, tu peux me décrire ton action juste avant ton soin. Eh bien, j'essaie de me pencher pour regarder l'acte et je me suis dit, oh non, il est mal en point. Et donc, j'ai mis mes bras en avant et j'ai envoyé du poison sur lui, un spray de poison verdâtre dégueulasse. Il s'est pris en pleine bien. Tête. Ouais, ce qui lui a été fatal. Yes. Ce qui lui a été fatal, et en fait au moment où vous voyez la créature s'écrouler, vous voyez que l'autre créature qui avait l'air de gérer tout ça donc était en train de courir, était en train de partir, vous voyez un petit peu voler. Je vais vous demander encore de me faire un jet de perception. Du coup avec avantage. Oh. Avec mon token. Du coup avec avantage. Moi aussi ou je considère que je suis toujours étourdi et que je le fais pas ? Non, toi, c'est... C'est le meilleur... Non, effectivement, tu as encore étourdi. C'est le meilleur jet avec avantage de ma vie. Grave. 15. Ah merde, j'ai envoyé qu'un. Oups. J'ai fait avec des avantages, mais du coup... Ouais, bon, du coup, je prends l'autre, c'est pas grave. Ok, du coup, j'ai fait 19 et 23. Très bien. Brig et Ménilite, quand vous observez l'autre créature s'en aller, vous voyez à côté un corbeau. Qui avait l'air d'avoir assisté à toute la scène, qui prend son envol et s'en va. L'œil, il est toujours là. Et l'œil est actuellement toujours là. Et la bestiole qui est à côté de moi, elle est toujours là aussi. Et la bestiole qui est à côté. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié, lui. Non, bon, allez, on va accélérer un peu le rythme. Je suis désolé, c'est vraiment hyper chaotique aujourd'hui. Je fais un peu n'importe quoi, désolé. Vous l'avez tué aussi. De toute façon, il lui restait quasiment rien en PV. Donc, Un coup de schlass bien placé. Et en fait, quand vous voyez la dernière créature mourir, Luct, tu vois le petit garçon qui est à côté de toi se jeter à tes pieds, comme ça, il te prend dans les pieds. Et bien que mal en point, malgré la terrible bataille et les morts qui jonchent la scène, le jeune magicien en bleu est au bord des larmes de joie. Il balbutie. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai cru que j'avais tout raté à cause de ce satané éternuement. C'est de la faute à la poussière, vous comprenez ? La poussière me fait éternuer, vous comprenez ? Il se prosterne à vos pieds. Vous êtes bien les héros qui ont défait Lithochronox, le terrible dragon, et l'ont emprisonné sous terre, c'est ça ? Mais avant que vous ne répondiez, il montre le terrible œil transparent qui domine la scène et prend un air de conspirateur, posant un doigt sur ses lèvres. Mais chut ! Le terrible dragon nous observe sans doute. Éloignons-nous d'abord.